c'est le gain d'un enseignant, c'est ça. Un enseignant ne gagne pas beaucoup d'argent, vous le savez, les enseignants le sachent, mais il gagne de l'estime. Et cette estime, on peut le vivre, on peut le vivre 30 ans après. Oui. Ou 3 ans, 4 ans après. Et ça, ce qui est très important. Voilà, je remercie mes amis qui sont là. Hein? J'ai un ami qui, avec qui j'ai vécu des bons moments. C'est Abhaq de Marache, Abhaq, qui m'a fait plaisir de venir, que je ne l'ai pas vu depuis X temps, mais on a joué du football, on s'est bagarré ensemble, à Plaza Primo, de Riviera, c'est-à-dire le Sahat Moulay, le Medina de Tétouane. Voilà, il m'a encore appris à la salle, il m'a fait le plaisir de venir. Et je remercie tout le monde, je souhaite, etc. Merci. On pensait à tout ça, mais à chaque fois, le texte de Madame Loulidi Souad est merveilleux, le texte de Xmel merveilleux, et voilà une réaction pour moi. Il me fait découvrir ce que je fais. C'est ça ce qui c'est ma surprise. Moi, je ne pensais pas avoir cherché toutes les chicanes et les boutons. Moi, je prie comme ça, donc je joue. Et je vous remercie, je vous remercie, c'est offert aussi. C'est vraiment, tu me fais connaître ce que je suis. Voilà. Je me découvre à travers vous. Et ça, c'est très important. Juste une petite phrase pour rendre hommage à cette femme, comme a dit tout à l'heure, active, très amoureuse de la littérature, qui est Souad Loulidi. Je dirais tout simplement à ses élèves que vous avez de la chance d'avoir un enseignant poète. Vous avez vraiment de la chance d'avoir une femme enseignante poète qui se donne par son âme et non pas simplement pour toucher un salaire à la fin du mois. D'ailleurs, cette réunion témoigne de ce que je veux exprimer par rapport à Madame Souad. Aussi, j'ai eu l'honneur de préfacer son recueil. J'ai eu l'honneur de préfacer son recueil de poésie, donc vivement des enseignants poètes. Merci.